Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour la soluce pour l'obtention d'une armure, l'armure chute libre. Alors moi j'ai déjà débloqué les 3 points de TP. Je vous montre le premier. Vous pouvez partir de cette tour au-dessus, la tour des ruines des obscurcies. Je vous conseille de prendre pas mal d'artefacts comme la montgolfière, le propulseur et des plats pour l'endurance parce qu'il va y avoir énormément d'escalade. Donc là, on se lance dans l'épreuve, le plongeon céleste. Allez, c'est parti. Bon, c'est chronométré. On passe à travers tous les cercles. Et voilà. Voilà, donc la première pièce de l'armure chute libre, ce sont les chausses. Non, on va pas réessayer, on va partir directement à la deuxième épreuve. Donc oui, ça donne une mobilité en chute libre, on verra bien lorsqu'on aura les trois pièces. Allez, la deuxième. Allez, celle-là, on vous montre où ça se trouve. Donc, moi, le sanctuaire est déjà débloqué. Vous pouvez prendre cette tour, la tour du mont Labula, je crois. Hop. Allez, on va stepper au sanctuaire. Et débuter sûrement la deuxième épreuve pour obtenir le deuxième set de l'armure. Donc, il faut trouver le golem, aller lui parler. Bon, une raquette d'orbe à chaque fois, mais bon. Donc on a 35 secondes maximum. On peut réessayer plusieurs fois si on fail, hein. Ça coûte une orbe à chaque fois. Hop, voilà, c'est bon. Deuxième épreuve terminée. Donc on va obtenir le deuxième set, qui est la combinaison de chute. Donc non, ça ne t'intéresse pas. Allez, troisième et dernier. Il se trouve ici, donc comme je dis, le sanctuaire est déjà débloqué. Je vais vous montrer à la surface ce que ça donne. Donc vous pouvez prendre la tour de la montagne de l'Anel. Et comme je vous l'ai dit en début, hein, préparer des potions, des remèdes d'endurance, des plats d'endurance, vos artefacts, tout ce qu'il faut pour escalader. Allez, on cherche le golem. Ah,
Il y a des distributeurs là. N'hésitez pas à les utiliser. Allez, c'est parti. 35 secondes. Encore de la chute libre. À mon avis, du loupé. Pas du tout, je trouve. J'ai dû louper quelque chose. Pas du tout où étaient les. Bah, tu m'étonnes. J'ai pas du tout vu où se trouvaient les anneaux. Ça va me coûter cher en orbes, cette histoire. Ce temps défile hyper vite. Machin. Et deuxième. Ben, ça va. Ah, là, le troisième. Et. Ah, d'accord, le quatrième. Faut attendre que le. Ah ouais, faut attendre que la. Là, l'erreur. Attendez bien que la bulle lumineuse atteigne. Elle est trop vite. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, donc on a obtenu la tenue. On va la mettre. On va essayer d'aller l'augmenter auprès d'une grande fée. Vous faites voir un peu cette tenue ensemble. Mignon. Bon, ça va. Allez, on va aller voir une grande fée sur Terre. Et on va prendre. Ça là. On va voir ce que ça donne en augmentant son potentiel. Lorsqu'on passe au niveau 2, vous savez très bien que ça donne un bonus. On va voir de quel bonus il s'agit. Pardon. Alors, où se trouve la grande fée? On va voir ce qu'elle demande. Oui, je suis venue renforcer mes vêtements. Alors, donc ça demande 9 ailes de chauve-souris pour le 7, niveau 1. Donc, hein, je répète, pour avoir les trois articles, les trois objets, les trois armures, les trois pièces de l'armure niveau 1, il vous faut 9 ailes de chauve-souris. Passe. Surtout le niveau 2, moi, qui m'intéresse, ce que ça donne. Alors, il faudra 18 ailleurs. Du cas, je crois que j'ai lu.
Niveau 2. Alors, 18 yeux de Kakuda. Des ailes griffues encore. Et... Alors, quel est ce pouvoir? On doit voir ça. Ah, il manque un des yeux, encore. Bon, c'est faisable d'aller chercher les yeux. Bon, encore qu'il y a tellement d'armures. Si vous regardez déjà, on a commencé à faire les solus sur les armures. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, atterrissage sans heurte. Ça, c'est fantastique, ça. On va aller tester ça. Si on peut se jeter de n'importe où sans heurte, ça vaut le coup, hein. Allez, nous, on demande qu'à voir ça. On va se jeter d'une tour. Pour n'importe laquelle. Et on va se jeter d'une tour. Et on va voir si c'est sans heurte. Il y a pas mal d'escalade dans Tears of the Kingdom. C'est intéressant. Ça, c'est la terreur de tout à chacun. On va se laisser tomber. Oh, c'est mignon tout plein, cette espèce d'aile. Alors, je sais pas si on atterrit comme ça sans heurts. Enfin, ça me paraît... C'est fou, ça! Alors ça, c'est quand même génial! C'est fantastique! D'habitude, ben, on s'écrase comme... J'avais pas le mot, mais... Et on perd tous nos cœurs. C'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Donc voilà, je vous ai montré où se trouvaient les trois pièces de l'armure, ce qu'il faut exactement pour la passer au niveau 2 et donc débloquer son pouvoir. Et je vous ai montré qu'on peut atterrir sans heurts. Donc voilà, vous pouvez sauter d'une tour et vous cracher sans perdre le moindre cœur. Ça, c'est vraiment génial. Si ça vous plaît autant que ça nous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à très, très bientôt. Bye bye les amis.